Et salut à toutes et à tous, c'est Tiroan et on se retrouve pour le 6e Grand Prix de la saison Monaco avec Renault, saison 1 toujours. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va très bien. Alors après un Grand Prix d'Espagne correct on peut dire, et ben maintenant on s'attaque au premier gros morceau on va dire, le Grand Prix difficile et tant attendu de Monaco. Alors là on va bien rigoler, on va bien rigoler. Voilà, ça va être sympa, ça va être sympa, ça va être cool. Alors, du coup, j'allais dire oui parce que on n'a pas encore reçu, je crois, la nouvelle pièce. Non, il faut attendre le prochain Grand Prix. Bon, on va récolter un maximum de points et puis on verra ce qu'on peut faire. Voilà, comme d'habitude. Et bah écoutez, nous, on va se retrouver pour les résultats des essais libres 1, 2 et 3. Comme d'habitude, la qualif, le petit tour le plus rapide, sans oublier le Grand Prix. Bien évidemment, on est parti donc pour ceci. Alors donc, Vettel, Hamilton et nous-mêmes, troisième, monsieur normal. Hein, on a utilisé les pneus ultra soft, on a pu faire l'exercice du sprinter. Du coup, c'est normal ce résultat, puisqu'on est à 2 dixièmes, mais avec des pneus ultra soft. Donc on peut dire qu'il faut déjà doubler, par exemple, si Hamilton passe en ultra soft. Donc ça ferait quoi? 4 dixièmes, puis presque plus d'une seconde avec Vettel et tout ça. Notre camarade Hülkenberg, où est-ce qu'il se trouve? Je l'ai pas vu. Ah, 15e, d'accord, ok. Bon, lui, il faisait des essais tranquilles. Bon, et ben nous, on part pour les essais libres 2. On a encore un exercice à faire. Bien, donc comme vous le voyez, hein, ce qui était prévu, c'est que Hülkenberg finisse devant nous, puisque il a fait ses essais du coup d'ultra soft, donc c'est normal qu'il finisse devant nous. Nous, on est 10e, donc ça, on n'est pas trop loin hein, en rythme de course. Voilà, il faudra être un tout petit peu plus rapide, mais ça va pas être simple, hein, je vous le dis. C'est chaud quand même, hein, mais donc Raikkonen, Bottas, Ricciardo, les trois premiers. Nous, on est plutôt bien placés, donc on peut se diriger vers les essais libres 3 où on ne fera qu'un petit tour ou deux, juste pour voir un petit peu. Hamilton, Verstappen, Bottas, hein, les trois mêmes pour les trois premiers. Hülkenberg 10e, moi j'ai fait un vieux tour, hein, juste pour voilà, garder les réflexes, donc voilà. C'est normal, un petit résultat, on s'en fout. On passe à la suite, les qualifs, bien évidemment. Allons. Et le plus important, enfin, une des deux choses les plus importantes. C'est, on va dire, la condition sine qua non d'un bon résultat, puisque si on se place bien, on a plus de chances de bien finir. Et moins on se classe bien, bah, plus on a de chances de mal finir, et surtout d'aller voir notre pote le mur. Ouais, ça par contre ça a pas changé par rapport au précédent F1, dommage, mais bon tant pis. On nous met Checo Pérez. Oui, bon. Si tu veux, hein, ça va être un peu plus difficile quand même. Mais bon, allez, on écoute les objectifs. Oui, je sais, je dis n'importe comment, mais bon, allez, allons. Les objectifs, allons, c'est parti. À moins que c'est mon hallucination, mais c'était pas notre coéquipier qui est assis sur le canapé là en face de nous. Bon, bref, on doit finir 11e au plus loin, donc essayer de faire mieux et devancer Checo Pérez. Ouais, c'est pas notre coéquipier Hülkenberg, si, normalement c'est lui, je crois, si, là sur le canapé en train de discuter avec on ne sait pas qui. Qui n'a pas l'habit Renault. Je sais pas, c'est bizarre. I don't know, I don't know, I don't know. Allez, nous on est parti pour les qualifications, c'est le plus important. C'est parti. Bien, pole position pour Raikkonen, doublé Ferrari avec Vettel. Ricciardo qui joue les truglions devant les deux Mercedes de Bottas Hamilton. Nous-mêmes sixième, mais on fait mieux qu'aux essais. On est quand même à 4 dixièmes, mais on est sixième. C'est donc, ça veut dire que quand même le Grand Prix va être très serré. Verstappen derrière, Kiat. On fait le sandwich avec Kiat et Verstappen avec Hülkenberg 9e. Ocon, Grosjean, Sainz, Perez. Est-ce qu'il y a une déception? On va aller voir ça tranquillement. Ouais, Massa quand même 15e. Hein. Peut mieux faire. Bon, Stroll, on peut comprendre, mais bon. Allez, on y va. On va se diriger tranquillement vers le Grand Prix de Monaco. Ça va pas être facile, mais bon. Au moins on a fait une bonne qualif, on fait un départ solide et je pense que ça devrait aller, je pense. Titin, merci, 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 merci. Les objectifs,
Alors, on doit terminer au mieux, au pire 9e pour la course, devancer Perez, mieux ou pas plus loin que 11e pour le championnat. Bon, ça devrait aller, je pense. Bon, je pense qu'on est prêt. Allez, c'est parti donc pour le Grand Prix de Monaco. De voir ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. C'est Kimi Raikkonen qui part en pole position après son chrono sensationnel d'hier, suivi de Sébastien Vettel. En ce qui concerne le reste de la grille, Ricciardo, Bottas, Lewis Hamilton et une Renault, Verstappen, Kvyat, Hülkenberg et Esteban Ocon, Grosjean, Sainz, Sergio Perez et Magnussen, Massa, Alonso, Lance Stroll et Stoffel Vandoorne, Verlaine et pour finir Marcus Ericsson en queue de peloton. L'extinction des feux est imminente. Nous allons donc nous rendre vers la piste. Bien. Donc voilà. Vous avez fini de me mettre à sec pour l'essence, putain. C'est pas possible ça. Non mais, bande de vilains. Allez, on y va. Le tour de formation. Allez, on est parti donc. Bien, les vérifications sont terminées. Il faut rester en formation et amener la voiture à la bonne température. Fais travailler les pneus et les freins. Il faut que tout soit bien chaud d'ici la fin du tour. Donc, Grand Prix de Monaco, 6e Grand Prix de la saison. Grand Prix historique, légendaire, que tout le monde veut gagner, tout ça. Ça va pas être simple, hein, ça va vraiment être très difficile. On a fait ce qu'on a pu, le mieux qu'on pouvait en qualif. Maintenant, il va falloir survivre hein, en course. Parce qu'on est très bien placé. Donc, on peut ramener de gros points pour Enstone et Viri. Donc, on verra ce qu'on peut faire. On va rester concentré un maximum. Hein, donc, je vais pas beaucoup parler dans ce Grand Prix. Hein. C'est un Grand Prix qui demande énormément de concentration. Hein. Je pense que c'est celui qui en demande le plus. Après, bah, on va... suivre une stratégie classique et puis ben espérons quand même que Hülkenberg vienne marquer des points. Ça sera le plus important. Surtout bah profitez bien, hein, amusez-vous au maximum. Comme moi je vais essayer de m'amuser, comme ça au moins bah vous pourrez vous amuser aussi du coup. C'est la condition. Sine qua non. Hein. Vous vous amusez, ça veut dire que je m'amuse aussi. Ou alors c'est vous vous amusez parce que je me suis vautré comme une merde. Ça, c'est possible. Ça c'est fort possible. Bref, il y a du monde. Tout le monde est là. Donc on va essayer de faire quelque chose, un bon gros résultat, bien gros, bien gras. La boîte de vitesse a un problème. La vitesse, ouais, je vois ça. Oui. Heureusement que l'IA prend le relais parce que ouais, ma boîte déconnecte complètement. Ça commence bien, surtout que le boîtier est quasiment neuf, mais c'est pas grave. Ouais, si vous pouvez régler le problème pour le départ, ça pourrait être bien, merci. Ouais, écoutez. J'espère que ça va bien se passer, qu'on va pas être emmerdé par ce problème de boîte. Et puis ben surtout monter le volume. Grand Prix de Monaco. Elle fonctionne. Ouais, merci. Allez, on a fait un bon début de Grand Prix là. On continue. Enfin, un bon début, un bon départ, pardon. C'est la concentration.
Bon, fin du 9e tour, début du 10e, on s'arrête. On nous attend, normalement on ne devrait pas être emmerdé. Et même si notre coéquipier s'arrête maintenant, on aura le temps de repartir avant qu'il arrive. Allez, on est reparti. Toujours 6, 6e. Ah, ça va être dur pour la 7e. Allez, on est relâché, on est 7e derrière Kiat, qui doit s'arrêter plus loin, je pense. Et on est devant Hamilton toujours. On a réussi notre arrêt. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est débile. Il veut me doubler à un endroit impossible. Oh, incroyable. Ah, ça doit l'énerver qu'on soit ressorti devant lui. Mais bonne stratégie du coup. Que quelques virages. Fou. Merci les gros pneus. Allez, plus que deux virages. Allez, on envoie tout ce qu'on a. Et on finit à une jolie sixième place. Oh punaise. Ouais, bah, merci. Oh, punaise, cette pluie en fin de Grand Prix, elle nous aura bien fait chier. Vendôme, oh, désolé, hein, c'était sous le coup de la colère. Pauvre Vendôme. Il faisait ce qu'il pouvait, le pauvre. Plus fort. Trop fort pour tout le monde. Et en plus, je crois que c'est un doublé, hein. Ouais, tu veux ma photo? Ah ouais, doublé. 1 et 2 et 3 Bottas. Bah, bien joué à Raikkonen et à Ferrari. Beau Grand Prix. Donc on aura bien fait chier Mercedes en obligeant Hamilton à finir 7ème derrière nous. Ah, quelle course! Franchement, bon, mou par moment, mais on a fait quand même Hamilton sur les talons, mais à quoi? Toujours une seconde à peu près. Et Hülkenberg, 8e, bravo! Ouais, bien joué, ouais. Passons à présent au constructeur. Le leader est descendu au classement après un bon résultat de la concurrence ce week-end. Grâce à sa performance du week-end, Renault gagne du terrain. Eh bien, ce fut un incroyable week-end. A très bientôt pour un autre épisode palpitant de cette saison de Formule 1. Bien, donc vainqueur Raikkonen Vettel, doublé Ferrari, Bottas, Ricciardo, Kiat, quel grand prix. Et en fait, je croyais qu'il s'était pas encore arrêté ou qu'il avait fait une stratégie inversée, mais non, pas du tout. Il s'est arrêté plus tôt et il nous a eu parce que ben, nous. En fin de relais hein, sur les pneus, bon, on était un peu fatigué, puis on avait les pièces qui commençaient à fatiguer aussi, le rythme un peu moyen mais correct. Et puis bon bah il nous est passé devant ce couillon. Hülkenberg qui ramène des points, c'est super, on fait un gros coup au classement je pense. Ocon, Verstappen qui marque le dernier point. Est-ce qu'il y a eu des déconvenues? On pourrait dire que. Bah, ce pauvre Vendôme, le pauvre, hein, je m'excuse, hein, désolé, pauvre Vendôme, on l'a engueulé. Mais bon, j'étais tellement concentré avec Hamilton aux fesses, la pluie, le pauvre, il est arrivé comme un cheveu sur la soupe. C'était pas le bon moment pour venir. Mais bon, bref. Ils ont essayé de le faire sortir avec les pneus plus, ça servait à rien vu le nombre de tours qui restaient. Alors, on récolte 96 points pour le Grand Prix, ce qui nous fait 770, ok. Bon, bah, Checo, on lui a mis une. Seulement 4 à 3, t'es sérieux? On a fait un bien meilleur classement. Ah ouais, si on avait eu podium, on aurait eu un point de plus. Ouais, bon. Bref, m'en fous. Blablabla, bla, beaucoup de points. Bon, pas d'épreuve bonus. Et mince. Est-ce qu'on peut avoir une petite pièce secondaire? It is possible. Pas assez de points, hein. Ouais, c'est ce que je me doutais. Dis-moi, même en longévité, il n'y a pas une petite pièce, tu vois, genre une petite pièce pas chère. Développer l'électronique de commande. Tu vois, 500 points.
Moi je force là-dessus, j'en ai rien à foutre. Ah oui, je prends, oui. Et comme ça on la reçoit au Canada. Non, non, il faut qu'on améliore un maximum la longévité, hein. Prochaine fois on s'occupera du turbo compresseur, 500 points, vous voyez, c'est des petits trucs à 500 points. Stockage d'énergie pareil. La boîte de vitesse c'est pareil qui nous casse un peu les bonbons. Voilà, il faut. On va dire au moins tout au niveau 1, on va dire. Voilà, tout niveau 1. Et après on fera les autres améliorations recommandées, châssis, moteur et ainsi de suite. Voilà. Mais là, surtout, voilà, la longévité. Parce que là, on a eu pas mal de petits soucis. Justement, on va regarder un peu l'état des pièces rapidement, hein. Non, pas. Voilà, numéro 2. Donc numéro 2, on a encore un moteur qui peut faire 21 tours. Attends, l'ensemble ou... Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ce moteur-là, 148 tours durée de vie, 0% d'usure sur l'élément utilisé. 85% temps passé, ouais, d'accord. Amélioration de longévité, mais d'accord. Ouais, donc en fait, on peut encore faire quoi? Les essais, genre, ouais, les essais, qualif, enfin, qualif, pas sûr, enfin, il faut voir. Là, la pièce a l'air. Non, elle a l'air en très bon état, le MGUK. MGUH, il est mort. Je te demande de me mettre sur la pièce numéro 2 du con. 43%, c'est bon. Ta mère. 20%, bah il est neuf quoi. 45%. Ouais, en fait, ouais. Ça devrait passer. Allez, on passe au week-end suivant. Remplacer la boîte de vitesse actuelle était utilisée pendant 6 courses. Une nouvelle boîte de vitesse peut dès lors être installée sans pénalité. Souhaitez-vous l'installer une... Oh, cool! Merci. Ah, c'est pour ça qu'elle est Mortibus. Elle a fait les 6 Grands Prix. Bien. Très bien. Tant mieux. Très bien. Excellent. Excellent. Voilà, je crois qu'elle était en train. Ouais, ça fait déjà 2 Grands Prix qu'elle nous casse les bonbons. C'est pour ça, justement, la petite amélioration bientôt, quand on pourra le faire, pourra nous permettre de faire les 6 Grands Prix, ben, sans problème, quoi, en gros. Mais là, c'est bien. On a réussi à tenir les 6 Grands Prix avec. Ah. On n'a pas l'air d'être content. Oh ta mère. Mais je pense que c'est scripté parce que normalement, voilà, inachevé, donc on n'a pas pu avoir la réduction du poids sur le châssis. Ouais, bon, tant pis. Élément électronique de commande, donc ça on l'a reçu, c'est bien. Tant mieux. Ouais. Ouais, en fait, non, mais je pense que c'est scripté. Je pense que c'est scripté. La pièce, voilà, ça on l'a reçue. Du coup, on n'est même pas remboursé. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pas insuffisant. Ah, il nous refaut donc 500 points pour redemander l'amélioration. D'accord, ouais, parce que là, non, mais c'est en train de devenir ridicule, hein. Donc il faut re-récolter 500 points. Bon, au lieu de le mettre dans la longévité, on le remettra dans ce truc-là. Mais peut-être que de le réessayer une deuxième fois. Donc d'avoir passé, je dis ça entre guillemets, le script. Et voilà. Ok, d'accord. Bon. Ok, d'accord, pas de souci. Bon bah écoutez, j'espère que ce Grand Prix vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Un max de commentaires, un max de pouces bleus, ça fera extrêmement plaisir, ça motivera pour la suite. Je suppose à vous de me dire, mais normalement je crois qu'on doit rater une fois. Je crois que c'est scripté, hein. C'est entre guillemets, à vous de me confirmer. Mais je pense que normalement là, dès qu'on a les 500 points, on réessaye le truc. Et normalement, on devrait recevoir la pièce sans problème. Parce que là, il faut qu'on améliore la voiture en plus de la longévité. On est en train, voilà, c'est de la survie qu'on fait quoi. Hein, donc, bref, on verra ça bientôt. Moi je vous retrouve la prochaine fois pour le Grand Prix du coup du Canada, hein, je suppose, normalement, après le Monaco, normalement c'est le Canada. Du coup, ben, à la prochaine les amis, portez-vous bien, ciao tout le monde!